Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices de Cadence TV. Bienvenue dans l'autre sortie débat pour nous avancer, côté nous entrer la caillou, pour nous porter toute information pour vous sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Si c'est la première fois que j'ai la chaîne là, ou bien vous connaissez la chaîne là déjà, je vous abonne à la chaîne là. Pas oublier, cliquez sur le bouton ça, marquez subscribe ou bien abonner. Pour chaque temps nous monter, pour nous avoir une notification bas ou, dans le smartphone ou dans la tablette ou, la computer et la télévision la caillou pour qu'on ait que nous dans l'air parce que nous même la Cadence TV nous là pour l'avancement et le progrès de la République d'Haïti. Sans plus tarder, on a passé avec bulletin information Cadence Info. Bulletin d'information Cadence Info qui passe du lundi au vendredi. Et jeudi à là, nous connaissons nous pas bien Amaline Charles parce que non seulement Amaline Charles a célébré un nouveau printemps, mais il y a un mauvais temps dans le grand ensemble. Et nous connaissons depuis un mauvais temps, il y a la pluie, il y a vent, et bien le système de communication en lui-même, li bay problème. Mais encore une fois, on a dit Amaline Charles, joyeux anniversaire et bien fêté pour jeudi à là qui c'est 15 novembre 2024, c'est anniversaire de naissance de Amaline Charles. Mais n'a pas gagné Ronald Xavier parce que Ronald Xavier lui-même n'est pas jamais fatigué, il est toujours là, il a couvert toute information à chercher pour nous, pour le capoter pour nous aujourd'hui à là. Sans plus tarder, n'a pas entré avec Ronald Xavier pour bulletin de formation. Gros bonjour, gros bonsoir tous les amis internautes Cadence TV, ces amis pour Ronald Xavier qui entre la caillou pour porter toute dernière information qui a déroulé dans la coupe pays d'Haïti. N'a pas commencé information yo dans chapitre politique là après conseil présidentiel là té fait un marché pressé yo té capable installer Alix Didier Fizeme comme nouveau premier ministre. Et bien depuis là ça c'est gros laisser frapper lundi gros laisser frapper cabinet ministériel là pour que jamais ka camper à cause plusieurs monde yo relé pour kembe ou bien pour remplir portefeuille ministériel ministère affaires étrangères. Et bien gè quelques monde qui gè sans ligne cap couler dans venyo yo di tout autant yo pa ka frapper contre République Dominicaine, yo pa ka prendre portefeuille ça. Et bien d'après information yo, toute majorité conseiller présidentiel yo fait konnen et faut au moins moun sa capable parler en faveur République Dominicaine, surtout nèg ti chinois qui c'est actuel président conseil là. Il fait konnen tout moun ki a vinn rempli portefeuille ça, yo pa gen droit parler en mal de République Dominicaine. Ça qui la cause cabinet ministériel là, li capable li toujours été nan tiwa côté personne moun pa vle al monter sous dossier ça pour capable pral parler ou bien pral parler bien pour République Dominicaine. On a continué en information yo entre-temps la messe conseil présidentiel yo a fait la lose, yo a bataille pour pouvoir. Et bien peuple la même la couri quitté la kaili la prend balle yo a mouri. C'est comme ça nous a constaté tout moun solino qui déjà couri quitté la kayo, yo pa gen côté pour yo aller en pile là dans yo. Enfin, yo aller dans un terrain akragen au niveau de Delma 32, gen en pile là dans tout qui prend route boudon côté yo envahi local OPCA. Et puis Piroa gen école nationale République Équateur qui là yo rentré là dedans aussi. Ministère et la culture gen un bureau dans zone nan tout yo kraser barrière yo entré là dedans aussi. C'est ça en pile moun dans zone Solino nazon yo té tenté faire côté yo même yo décidé pour pas arrêter dans yo décidé pour pas arrêter dans la rue ya. Et bien c'est comme ça nous a constaté population qui dans la rue. Entre-temps et toujours information yo toujours sur le plan insécurité, bandi avec zam yo envahi Vivi Michel dans moment n'a parlé là en pile kay boulé dans zone Vivi Michel. Yo men bandi yo récupéré un paquet de zone dans Vivi Michel là. Selon information zone Vivi Michel à 80% et espace Vivi Michel là yo déjà récupéré ces bandits yo, mais ces crazy barrières yo déjà récupéré yo. Et nous constater pour Jean bandi yo à bataille, et bien c'est comme ça nous est population à lui-même a passé misère, population a pas connait qui c'est pour relé yo la gué des bras balancés. Alors c'est comme ça nous-même nous a constaté Kafou aéroport Delma 30 li presque tourné yo désert nazon. Si nous voyons jeune pour nous nazon, nous voyons jeune pour nous Kafou
Bafou aéroport, c'est un bagaille phénoménal. Personne monde pas imaginer ça qui Jean bagaille ça qui est arrivé pour yore nagon Kafou aéroport dans qui étalier dans moment là. Ça veut dire coup de balle pas suspendre chanter depuis avant hier. Alors pour nous dit matin là jodi a été un petit calme apparent côté Kafou aéroport pas vraiment gain pile tiré mais tout zone yo toujours tiré de temps en temps. C'est comme si c'est un fait qui a peine fini l'humain et bien sans ça il était chaud personne monde pas ca coller là-dedans. C'est comme ça nous considérer Kafou aéroport. Alors pour nous dire et jodi a là c'est 15 novembre, ça fait exactement un an depuis moi-même Ronald Xavier m'était couru quitter la caimre d'Elma au niveau de la plaine côté ses amis internet Cadence TV yo qui était bambre toute qualité support yo et bien qui était ferme quitter espace là m'était trouvé au niveau de Delma 30 et bien mois novembre encore m'a couru pour pirade. Ça veut dire jodi a là m'obligé courir quitter Delma 30 ans pour ça qu'a passé Kafou aéroport nazon Krishwa dans moment n'a parlé là moun Krishwa c'est en bacaban yoyé yo pas ka supporter ça qu'a fait tellement gè coup de balle qu'a tiré au niveau de Krishwa même là depuis matin té gen un calme apparent et bien l'après-midi là monsieur yo continuer attaquer Krishwa ça veut dire yo fin prend Solino on y a c'est Krishwa yo a attaqué Jean t'a dit tout à l'heure et bien moi nouveau blague il est pas bon pour moi même et bien c'est la courrier obligé rendre moi 40 ans Delma 40B pour moi si ma font petit souffle en attendant bon Dieu ta ban yon espace pour moi si ma tourne si ma font coup de pied pour mal gérer tête moi. Donc on va continuer information yo pour nous faire connaître et par rapport suite avec attaquant et monsieur Vivant Sambio qui la cause pas gen un gros ratement gaz qui gagne dans pays a machine pas jwenn gaz pompe yo pas alimenté et bien même gaz propane l'eau potable l'eau pour moun servi pas gen ça au niveau de Delma presque pas gen bagay ça tout côté passé c'est gros marché c'est gros couri qui gagne côté personne moun pas ka jwenn espace pas ka jwenn ti mo stylo ces gaz pour capable mettre dans moto yo ou bien mettre dans machine yo à cause mais ces gang yo qui était théoriser ou bien tirer coup de balle avec la police dans toute zone pour capable aller alder gazio ça veut dire dans espace ça yo n'est pas accessible pour monde passer alder pour camion yo capable alimenter pour pompe yo capable bay moun yo gaz et bien c'est comme ça nous t'a constaté que j'en situation ayé c'est un marché pressé yon kouri monté qui gagne dans Delma ni pour gaz ni pour de l'eau traitée ni pour de l'eau pour monde servi presque pas gagné ça. Entre-temps, moun kap viv nan ghetto yo même nan zone yo di ki territoire perdu yo, et bien ta pou nda di zone la plaine, et bien en pile moun kap viv zone sat et zone du vivier, et bien moun sa yo pa konn ki se pou rele, yo pa ka sorti de pou pa rete de yo nan Kafou Vincent Tichard suspect ou c'est balle ou prend. Avait dit tout moun sa yo fermé nan une zone, yo fermé en bas ça, yo pa ka sorti, yo après li amré si go de diriger avant bien cher dans zone ça, ta dit yo pa ka konn ki sa pou fè, yo capable sauver la vie yo. Y a mandé boucher l'état pour fon bagay pou yo parce que c'est la valas qui la tête pays a, nou konn ki sa la valas te fè, quand courageusement t'a parlé matin, il faut konn la valas te kaze pays a et bien la continue kaze. Ses amis pour Ronald Xavier qui était là pour porter information yo pou nou. Na première show Ronald Xavier et Nabdou Kadas TV avec auditeur auditrice téléspectateur téléspectatrice yo a toujours campé avec ou dans moment difficile comme nous ouais c'est jour pour jour nous songe selon moi et novembre comme ça année dernière 2023 côté et bandi té envahi zone la plaine et bien nous té obligé courir et bien on t'a entré dans Delma 30 et bien kounya là encore une fois you bandi ap attaquer là obligé ap courir encore. En tout cas Nabdou et nous là nous campé avoir Ronald le moment difficile yo et auditeur auditrice téléspectateur téléspectatrice Kadastou ap campé avoir le moment difficile ça yo parce que ou toujours braver danger quel que soit côté information yé ou toujours al chercher potel pour ka permettre que grand public là que en Haïti que à l'étranger puis on connaît ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Encore une fois, nous avons du courage, Ronald Xavier, et nous camper avec vous. Nous avons une petite pause, puis nous avons tourné tout à l'heure pour nous continuer avec l'émission Débat pour nous verser.
Yon grain de maïs donne yon zepi qui gagne 500 jusqu'à 800 grains. Dim nan ki lot bagay nou kapab investi. Ki kapab ban nou yon pou 800 nan 10 semen. Et puis, sorti nan tèt moun rive nan Platon, hein, tout donne maïs. Nou chita a pleye mizerere nou. Zanmanm, an maïs kon nou, tande? Tout est pas fait, j'ai pas nou sel ka criminel. When nous battons, tout est à la wumba de en double de maïs. Chaque jour, matin, midi, à souhait, plusieurs façons. Tout le monde. Cadence TV, tout côté. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, Bosgari, tout côté. Ou même qui besoin yon belle fenêtre vite, yon belle porte vite, yon belle fer forgé, yon belle barrière, yon belle toiture métallique, avec Bosgari, Kailap Cléry, Bosgari, tout côté. Et ou même tout, en tant que client, nous, que nous avons un travail pour vous, dans le département, yo, dans la commune, yo, supporter nous, faire moun pour nous, faire reconnaître, même Jean Kaiwa Cléré déjà, Boss Gary a fait Kaila Cléré. Cadence TV tout côté, Boss Gary tout côté. Si vous voulez Kaiwa Cléré, avec une belle fenêtre vide, avec une belle fer forgé, avec une belle porte vide, avec une belle barrière, relez Gary dans 42-96-2051. 42-96-2051. Boss Gary tout côté. N'a fait politique, eh bien nous croyons, nous même en tant que directeur, comité 100% diaspora, qui bataille pour diaspora, qui dit fuck diaspora, venez dans le pays, pour venir faire le pays bel, et kayo qui est en Haïti, pour venir faire le clair. Eh bien nous croyons, Bosgari a bataille pour vous, pendant que Bosgari a bataille pour vous, eh bien nous croyons, après le Bosgari, pour Bosgari faire kayla clair, avec une fenêtre vite, avec une porte vite, avec un fer forgé, avec une barrière. Bosgari tout côté. Nous comptons sur participation, nous comptons sur appel qui va briller nous, nous croyons avec vous-même, Kaila Cléry. Merci, merci, merci pour fidélité nous avec attention nous et confiance que nous placez. L'encadence civile, que c'est émission débat pour avancer, que c'est bulletin d'information, cadence info. Et pendant nous entrons dans le studio, et cabinet à monter et côté que yo gen 18 ministres qu'on y a fois ça 18 ministres et gen ministre qui reconduit et gen nouveau ministre qui entré dont nous pral partager nou avec nous et nous connaît gen ministre tout qui révoqué que pas reconduit. All right, et ministre qui reconduit c'est Kathleen Florestal lui-même qui est le ministère planification, pas bien, il a deux portefeuilles ministériels, il a gagné finance avec planification, il a retiré finance dans la main, il a quitté avec planification. Il a Raphaël Osti, lui-même qui était le gouvernement Konya, il a toujours été le travaux publics, transport et communication. Il a Werner Joseph, lui-même qui est le ministère agriculture, eh bien, il a toujours été là. Il a James Monaza, lui-même qui a toujours été dans le commerce. Et Gen Moïse Jean-Pierre Fils qui toujours était là environnement et Gen Georges Wilbert Franck lui-même qui ministère affaires sociales et du travail il toujours été là-dedans Gen Ling Otavius qui la jeunesse des sports toujours été et puis Gen Antoine Augustin lui-même qui était le ministère éducation nationale qui ça t'a réglé moins pas connaît mais yo toujours là nouveau ministre qui vient d'entrer yo
nous venons Paul Antoine bien-aimé. Ça veut dire Haïti pas gen moun. Excusez-moi. Haïti pas gen moun. C'est bouillon réchauffé seulement. C'est recyclé. Bon, pas besoin de dire qui ça parce que mais bouillon réchauffé, Paul Antoine bien-aimé tourné, oui, le ministère intérieur. Paul Antoine bien-aimé presque gen 82 ans, oui. On a quitté le ministère intérieur déjà sous l'aval là, c'est pas de banque un résultat, non. Il était ministère et le ministère et comment quoi éducation nationale, il pas bail résultat tout, non. Regardez état Haïti. Il retourne à Vel. Gen Alfred Metelus, c'est le même qui la finance. Patrick Pelissier, il est en justice. Il retire Carlos Hercule et mais pas oublier tout pour ministère intérieur était gars iconique, était kembe deux portefeuilles, ça le premier ministre et puis ministre intérieur monsieur et c'est Paul Antoine Bien-Aimé prendre. Finance, c'était Kathleen Florestal qui était gain ni planification ni finance, yo ba Alfred Metelus et Alfred Metelus finance. Patrick Pelissier, yo retiré Carlos Hercule, yo mettait lui même la justice. Gain Anvel Jean-Baptiste lui-même qui c'est chef cabinet et créé présidentiel là, et bien nous songe me défon émission et sous lui algade pour nous la YouTube, la page YouTube là. Pa monsieur, c'était et monsieur te vle pou te vini juste pour te ka et fait Abinadel plaisir, pas oublier nom te dit nous ça. Eh bien, il a retiré Dominique Dupuis et puis Kounia là, il a remplacé par Avel Jean-Baptiste qui est le cabinet créé présidentiel là. Parce que pour mon ministre affaires étrangères sous pouvoir la valas là, faut qu'a un petit secrétaire Abinader. Faut qu'a mette à genoux devant la République dominicaine. De pour son monde qui ka parler, de pour qu'a prendre décision. De pour qu'a dit non, ça est République Dominicaine a fait pas bon, ou pas quand le gouvernement Lavalas ça. Parce que Lavalas avec Abinader, c'est cocotte avec Figaro. Parce que, ou après moi, qui crée présidentiel, là, pas jamais prend un ken communiqué pour ça qui a passé compatriote dans la République Dominicaine. C'est seul Dominique Dupuis, en tant qu'on forme de courage, en tant qu'on haïtienne, conscient et conséquent, qui va manger l'en bol en ken vagabond République Dominicaine, ni l'américain vagabond Haïti, eh bien, il te prend courage à deux mains, il te sort son communiqué, eh bien, c'est ça qu'il faut, il a tout crasé le gouvernement, il a tout révoqué Gary Koni, parce que c'est ça Dominicain voulait pour créer présidentiel la fait, c'est ça l'a fait. Et m'a toujours dit nous ça, jour va jour vient, on le Haïti a bon président, côté kap kagade tout président l'anje, n'a pas respecté tout président tout autant que respecté nous-mêmes en tant que peuple haïtien. Et pas trop longtemps, pas trop longtemps. Sans j'aime de dire nous ça. Gagne Lorté Blema, c'est le même qui est en santé publique, Eric Dessous en tourisme, Jean-Michel Moïse en défense et Pedrika Saint-Jean, il en condition féminine, gagne Katia Vertier qui est en haïtien vivant à l'étranger et puis tout avec Patrick Delatour encore, le ministère culture, pas trop parler en pile de ça. Magata fait émission on l'autre le sous bagay ça. Gon plan encore une fois Lavalas a manigancé pour craser les forces armées d'Haïti. Y a manigancé, y a affaibli et puis craser. Parce que vous trouvez Aristide dit m'paka te crason l'armée pour président Jovenel Moïse oser venir remettre l'armée ça même laisser l'armée acte ban nous bouter ça nous connaissons toujours aimer fait si rappel et Aristide passé président créé présidentiel là l'ordre formel faut l'armée écraser utiliser toute tactique pendant là comme président dans 6 mois là pour craser l'armée avant mars arriver. Ça qui d'après vous marqué gestion au fait de pouvoir pendant un an, trois mois avec 22 jours ça, qui finit 7 février 96, président Aristide. En clair et en un mot, c'est la meilleure classe. Là, il y a quatre plans, nos démarches, nos projets politiques. Côté, monsieur a fait pour mettre Jean-Jacques pour permettre la résolution qui te prend entre Équateur et États-Unis capable de mettre en application.
pour permettre au Conseil de sécurité de l'ONU de voter pour nous. Ça me dit. L'armée qui a accompagné la police dans le cadre d'opération, les armées ont avancé, c'est vrai, mais ils n'ont pas avancé, ils n'ont pas gagné autant de liberté, autant d'accès, autant de possibilités pour marcher sur la population, hein, pour récupérer un certain d'espace. Voltaire en est monté dans le CPT, il passait instruction formelle à tout militaire pour entrer dans la base. Il retire militaire dans l'opération dans la rue qui pour accompagner nous, qui était capable d'accompagner la police. Parce que, ça pour nous comprendre, notre travail police a servi à protéger, ce n'est pas la même action lorsque l'armée a mené l'opération. Les militaires, nous-mêmes, nous faisons pied sol, nous descendons à terre, nous faisons corridor, nous connaissons comment pour déplacer, pour ramper. Ça veut dire, ce n'est pas n'importe quoi de balan qui nous tire, puis nous couille. Alors, messieurs policiers, eux-mêmes qui pas de pratique, qui pas de formation pour ça, c'est un double NDA. Quand ils ont un double NDA, ils doivent déchapper au groupe pour nous là. Le fait que Blendia n'a pas entré dans l'espace là, il n'y a pas de problème. Il a prêté dans la limite. Alors, les militaires, eux-mêmes, ils ont fait pied sol. Ça veut dire que quand Blendia n'a pas arrivé, eux-mêmes, ils ont rampé. Ils ont arrivé souvent, ils ont arrivé pour permettre de récupérer des espaces pour permettre stabilité tout. Qu'est-ce que ça n'est pas fait actuellement? Nous avons créé la médaille, tu peux nous parler avec nous là. Pour nous avoir créé un meeting, un soulèvement dans la médaille, ça vous fait. Toutes les anciens militaires, anciens qui font pays, qui font formation, qui ont expérience, qui sont capables de rétablir l'ordre, ça vous fait. Vous créez un torchon, un différent volant. Entre ces militaires jeunes et anciens. Là, vous voyez, militaires jeunes, ça fait que ce temps de croître, fait qu'en haut, ils ont une charge sur l'ancien. Ils ont une charge sur l'ancien. Là, vous voyez, dans la mission, ils ont une prime de risque. Alors que les anciens militaires, qui n'ont encore tout, ils n'ont pas une prime de risque. Ils ont une de crédit, yo bay monsieur nouvel enrôlé yo 4 de crédit alors que ancien militaire yo te yo remobiliser l'armée avec yo yo pa bay yo 4 de crédit yo payé monsieur nouvel enrôlé yo attend alors que yo quitté yo même a fait 2 3 4 mois yo pa payé yo juste pour permettre yo, de décourager yo pour ancien capable révolter pour yo quitter ou bien si yo pète un scandale yo ka justifier raison que yo écraser l'armée. C'est notre démarche pour réclaser l'armée que le gouvernement de Voltaire, le CPT de Voltaire, a engagé là. Ça qui est grave dans tout ça. Dans l'armée, pas de guerre, dans l'armée, c'est contrat de guerre. Ça veut dire qu'il y a un contrat 3 ans, il y a un contrat 6 ans, ou dis-moi, ou qu'il y a un contrat 3 ans renouvelable. Alors que vous créez des conditions, vous demandez, malgré monsieur, vous n'avez pas mérité pension, vous ouvrez un feuille, puis vous dites, monsieur, pour tout ancien militaire, malgré l'âge capable, puis vous signez pension. Yo. Alors que, non pas ou pas bah, une pension, la loi détermine à partir de quel âge, de qui l'est qu'on bah, une pension pendant l'armée. L'armée ou pas bah, faire l'armée contractuelle. Mais qui militaire par exemple contractuel. Alors que vous voulez, monsieur militaire, que vous voulez mobiliser l'armée avec vous, vous chassez, vous faites un contractuel. En façon, pour le contrat fini, contractuel la fini, pour ne pas renouveler. Eh bien, tout ça, vous créez un problème énorme qui permet aujourd'hui à monsieur militaire qui a mené une opération de côté policier, vous pas dans l'arrière pour accompagner ni la police ni la population. Ça veut dire que ça rentre dans un véritable projet pour permettre. Monsieur yo, atteindre l'objectif. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas permettre pour nous accepter ce qui a passé là. Nous tous connaissons, c'est Lavalas qui a démobilisé l'armée. C'est Lavalas qui a écrasé l'armée. Mais, n'entend, si nous disons l'armée remobilisée, c'est que depuis que nous avons dans l'armée, il remobilisé à même grade. Depuis que nous avons dans l'armée, c'est remobilisation de l'armée. Remobiliser, ou pas que pour demander à l'armée à remobiliser avec lui. Pour dire, il faut la faire pension, il faut la faire ceci, il faut la faire cela. Voilà que 400 militaires
qui a souffert là dans la classe, qui a supplié l'État pour engager, pour mettre l'ordre dans le pays, pour accompagner la population, le gouvernement refusé pour les militaires engager dans la bataille pour rétablir l'ordre dans le pays. Pourtant, même le gouvernement, ça, même le CPT, ça, a déployé le tapis rouge pour aller recevoir 6 bananes. Pour aller recevoir 6 soldats, 20 soldats jamaïcains. Même CPT ça a déroulé le drapeau pour des soldats qui sont dans qui pays. Alors que nous avons 400 qui pourraient vous bailler pour remettre l'ordre, pour rétablir la sécurité, pour permettre la paix, la stabilité, rétablir le pays à bon côté de la police nationale. Là, CPT a refusé à travers des 6 Voltaire qui. Qui est Papa Li, qui est le boss Li, qui est Jean-Bertrand Aristide, qui en est compté comme président, et puis il demande pour tout soldat rentrer dans la caserne, quitter la rue à Blanche, et je dis à l'en garde ça qui a passé dans la zone, l'en garde Solino, l'en garde ça qui a passé, n'importe où, avion prend balle, nous dit, nous prenons un véritable complot. Et ça qui peut poser plus de problèmes, nous demandons maintenant, messieurs militaires, ils ont demandé maintenant faut que l'État paye aux pensions. Puisqu'ils ont enrôlé, ils ne peuvent pas aller au travail, ils ne peuvent pas payer. Parce que ce n'est pas écrasé, l'armée est écrasée. L'armée est démobilisée. Bon décret qui remobilise l'armée. Automatiquement, décret à remobiliser l'armée. D'office, tout militaire qui n'est pas révoqué, qui n'est pas sanctionné avant la remobilisation, de fait, ils sont militaires. Ils ont tenu pour rétablir l'ordre dans le pays. Moi-même, c'est ça ce matin. Hein. Nous faisons conférence. Pour nous dire, pour rendre responsable tout ça qui a passé et tout ça qui a été pour passer dans le pays par sous base soi-disant insécurité. Parce que des militaires qui dans tout le pays, je dis à qui révolté, qui estimaient qu'ils n'ont pas qu'à là, et puis pour ça passer, et puis il y a tant de soldats qui ont sorti, Kenya qui ont sorti de tous côtés. Pas oublier, je te dis pays, tout ça nous est qu'à fait là, soldats Kenya qui ont capoté, net dans ça nous est là. Les étrangers ne peuvent pas porter sécurité dans le pays. Colons, force d'occupation, pas pour sécurité dans aucun pays. Nations Unies, depuis la création à nos jours, pour que chacun porte résultat dans aucun pays. Bon. Comment je dis, pour tout le pays à rétablir, on vient nous prendre la rue pour nous revendiquer les soldats, pour nous porter solidarité, pour nous rendre légitimité soldats et policiers, pour permettre l'armée, BESAP, et policiers, faites taxe force pour rétablir la paix dans le pays. Eh bien, je dis à tout le monde, nous arrivons à vos côtés, nous n'avons pas de choix, nous arrivons à vos côtés, si pas quelque chose, vous allez obliger, dit Kounyala, puisque vous n'êtes pas capable, eh bien, vous allez obliger, demander, il faut que Kounyala, l'État cherche une négociation avec M. Arméo, parce que si nous travaillons avec vous, si vous avez un qui passe, c'est pour nous lier, c'est nous mettre, eh bien, nous pensons, je dis à, il faut que le pays a du mot. Bon. Et c'est comme ça, faut payer à Djomo. Jeudi à 15 novembre, nous seulement à 3 jours de 18 novembre, cap tombé lundi. 18 novembre 1803, côté vaillant militaire nous yo. Te goumé la dernière bataille qui pral mener nous à l'indépendance là côté nous te calé l'armée qui était plus puissant à l'époque qui t'a marché conquérir tout côté le monde là c'est l'armée napoléonienne nous calé au 18 novembre 1803 qui pral déboucher sous 1er janvier 1804 nous prend indépendance là. Est-ce que moun ki fait partie des forces armées d'Haïti kounya la, yo pa comprendre ça représente importance les forces armées d'Haïti en Haïti. Ki fait quitter n'importe si moun petit jouer avec yo. Y a quitter n'importe si politicien rabi pourri corrompu sans légitimité. Qui pas gagné basé sur constitutionnalité, qui pas légal, et yo même, en tant qu'institution légale dans le pays,
puis on quitte des séries de monde qui participaient et qui ont dossier sous dos lancé pété ça côté population et les créer présidentiel la neuf président ça yo pour y manipuler comme ça jusqu'à ce que avec intention puis écraser les forces armées d'Haïti pour deuxième fois encore. Côté sens de patriotisme qui pour développer ka militaire ça pour connait qui ça représenter l'en pays. Moi espérer à la veille de 18 novembre, lieutenant général Derby Guerrier, commandant en chef des forces armées d'Haïti, a pris conscience pour comprendre que qui ça yo représenté le pays d'Haïti. Et puis on rebaille le ton à la nation. Puis on corrige ça qui est pour corriger. Puis on permet que nous entrer, nous retourner à l'ordre constitutionnel. Maintenant des jeunes militaires qui fait entrer dans l'armée. Ali sous histoire force armée d'Haïti. Qui ça permet nous gain pays ça. Grandeur nous, héroïsme nous, qui ça nous voulait dire, qui ça nous représente pour nation ça. Pour ne pas quitter nous manipuler par des politiciens coquins, des politiciens corrompus, qui viennent là pour, si encore une fois, y a démantelé les forces armées d'Haïti, qui se dernier rempart, peuple haïtien. Jodi a la, m'fè appel à au commandement des forces armées d'Haïti pour yo konnen que renn pays a c'est la main au lié. Neuf moun sa ok la, yo pa ni légal ni constitutionnel. Yo pa gen ken légitimité populaire. Nou pa ka kite, y a fè nou ngou mak lot. Au contraire, c'est pour nous resserrer les rangs. Pour nous redorer blason pays d'Haïti. N'a pas remarqué, pendant que tu as opération entre la police et l'armée, où est que bandi yo, monsieur armé, monsieur dame armé, pas de cap progresser comme ça? Automatiquement, que Leslie Voltaire, la valasse monte, et puis il mande pour l'armée retourner la caserne, il n'y a pas vu l'armée l'opération. Et puis, qu'on y a mis ça nous gagne. Et puis pendant ce temps, il y a pour les tapis rouges pour 6 graines militaires sorti Bahamas. Ça c'est dégueulasse. Pour 2 graines militaires qui sorti dans pays Belize. Pour 20 graines militaires qui sorti dans pays Jamaïque. Pendant ce temps, nous gain des braves qui là. Nous gain Bessap qui mobilisé et prêt à porter coup de main pour sauver nation. Nous qui l'armée d'Haïti campé là. Yo di yo vle travail. Nous plutôt mettre yo sous côté. A puis pour n'a mandé blanc voyer 20 graines soldats l'autre pays pour nous. Mais espérer n'a prendre conscience. Et si nous gont cal conscience toujours dans nous pour nous réfléchir et comprendre que Haïti besoin une libération total capital. Et libération ça passé par les forces armées d'Haïti. Ça c'est réflexion PAM à 3 jours de 18 novembre, date historique ça, côté nous fait l'histoire pour nous demander l'armée d'Haïti ressaisir. C'est tout ça me déporter pour nous assurer, m'a dit nous pas oublier, partager, abonner, like et puis commenter. Et puis demain, pas oublier 5h, on comboule 5h, 7h, n'a pas gagné émission cadence musicale. C'est sur Facebook Live la pied. Moun qui peut suivre moi sur Facebook, c'est Hébert Torchon. Allez sur Facebook là. Pour nos cas, demain, 5h, on comboule 5h, 7h, et n'a pas direct pour cadence musicale. Belle bagarre. Et puis dimanche, 3h, nous connaissons 3h et 5h, n'a pas en direct tout sur YouTube pour émission débat pour nous passer. N'abdi tout moun, bye bye et à demain pour l'autre émission. Débat.